Donc conforme les familles ont guéri, et qu'au sortir d'ici, que quelqu'un reçoit quelque chose de toi. Reçois la louange au Dieu. Nous couvrons ce lieu dans le sang de Jésus et nous prions que la protection divine soit notre partage ici ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens nous asseoir, s'il vous plaît. Je vais être bref, comme le disait le monsieur tout à l'heure. Ce soir, nous sommes ici, comme nous savons tous, pour donner un soutien à la famille endeuillée, aux personnes qui ont perdu quelqu'un de cher, papa Dean. Et nous venons de beaucoup de plusieurs endroits, de partout, des États-Unis, pour apporter un soutien à une amie, une maman, un frère, une soeur, pour leur dire que nous sommes avec elle, nous compatissons. Dans un pays comme celui-ci où tout le monde est vraiment occupé, prendre de son temps pour se déplacer et venir montrer son amour, son soutien, c'est quelque chose de bien dans la communauté africaine. Ça, je bénis Dieu pour cela. Pour chacun d'entre nous qui s'est déplacé pour venir soutenir la famille qui a perdu un être cher. Et vous savez, peu importe l'âge, quand on perd quelqu'un, c'est toujours douloureux. C'est toujours pénible. Je lisais tout à l'heure le programme et j'ai vu que le père a laissé une veuve et beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Quelqu'un m'a dit qu'il avait 80 ans, il a vécu sa vie, mais pour la veuve, toutes ces années-là peuvent filer dans sa tête de temps en temps. C'est quelqu'un qu'elle a aimé pendant, je ne sais pas combien d'années, 40 ans, 50 ans de mariage, je ne sais pas. Mais la séparation est toujours douloureuse. Peu importe l'âge qu'on a quand on date, quand on meurt, la séparation est douloureuse. Quelqu'un avec qui on a passé du temps ensemble, si c'était notre père, 40 ans nous a mis là, il nous envoie à l'école, c'est notre époux. C'est pénible. Et de temps en temps, il y a, je crois que chacun d'entre nous aussi, ou bien certains d'entre nous aussi ont perdu quelqu'un de cher. Et de temps en temps, parfois, il y a comme un film qui passe dans nos têtes. Et on se rappelle des bons moments passés ensemble avec la personne qui nous a quittés. Et c'est parfois douloureux. C'est parfois pénible. Mais comme le disait quelqu'un, c'est la vie. Nous sommes tous appelés à passer par là. Mais on ne peut pas prendre ça comme étant quelque chose de facile. Non, c'est pénible de perdre quelqu'un de cher. Et c'est pour ça que nous compatissons avec la famille qui a perdu un papa, un grand-père ou encore un époux. Nous prions que Dieu vous soutienne et vous bénisse pendant ce moment douloureux. Et je sais également que la famille voudrait, comme j'ai lu tout à l'heure dans le flyer, célébrer sa vie. On le fait très souvent, célébrer sa vie parce qu'il a accompli des choses sur cette terre. On veut célébrer, on veut dire merci à Dieu de nous avoir permis de l'avoir connu. Et je pense que c'est ce que sa fille ou ses filles ont bien voulu faire ici ce soir. Mais ce matin, je veux un peu sortir, ce soir, je veux un peu sortir de mon cadre, bien la manière dans laquelle je prêche souvent. Mais je voulais parler à chacun d'entre nous ce soir maintenant. Comme vous êtes allé, dès que la séparation est douloureuse, on ne peut pas mépriser cela. Maintenant, nous sommes ici debout, vivants, et c'est à nous que je voulais parler. Et si vous me permettez de vous tutoyer, c'est à toi que je veux parler. Et je souhaite qu'une seule personne retienne quelque chose ce soir, et ce serait beaucoup. C'est à toi que je veux parler parce que tu es vivant ce soir. Et Dieu t'a donné la capacité de venir ici. C'est à toi que je veux parler parce que la Bible déclare qu'il est bien d'aller dans la maison, dans ce livre d'Ecclésiaste, il est bien d'aller dans la maison de deuil que dans la maison de joie. Parce
Parce que dans la maison de Dieu, c'est là où l'homme réfléchit. Vous savez, dans la maison de joie, quand un enfant naît, on fait soin, on s'amuse. Et quand un enfant va à l'école, il a des diplômes, on s'amuse. Quand un enfant se marie, on est content, on danse. Quand un enfant a des enfants, on est content, on célèbre. Mais quand quelqu'un meurt, c'est très souvent le temps où, vous savez, durant ce moment de joie, il est très difficile ou rare d'éviter un prédicateur qui vient prêcher. Là, on dit que c'est le dimanche. Donc, et quand on lui donne la parole, c'est 5 minutes parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, on est tellement occupé. Mais dans la maison de Dieu, c'est le temps où chacun peut prendre le temps de réfléchir par rapport à sa vie. Parce que nous ne voulons pas, un jour, chacun d'entre nous ici devoir passer par cette étape. Ça veut dire qu'un jour, quelqu'un viendra à ton deuil. Excuse-moi d'être aussi direct. Mais quelqu'un viendra, ou bien nous viendrons, bien les gens viendront à ton deuil. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. Les gens viendront à ton deuil. Et quand ils viendront, ils vont pleurer. Parfois, je me rappelle, quand nous qui venons d'Afrique, même quand le corps est là, on vient, on pleure. Mais après avoir pleuré, on mange. Pour dire content, on t'a oublié. Et dans notre famille, c'est en ce moment que les bagarres commencent. On discute les biens. On s'entretue. C'est comme ça que l'homme est éphémère. L'homme est passager. Réfléchir sur notre vie. Et de savoir qu'un jour, que nous le voulons ou pas, nous allons tous passer par là. Nous allons tous terminer par là. Alors il est temps de réfléchir. Alors qu'est-ce que je fais de ma vie? S'il arrivait que je passe, qu'est-ce que je dirais à Dieu? Et il y a une chose très courante qui se passe très souvent. Partout où vous allez parfois quand quelqu'un est mort, on met des fleurs et R.I.P. Que ton âme repose en paix. Mais je voudrais nous surprendre ce soir et je voudrais vraiment que nous réfléchissions. Ce mot n'est pas appliqué à tout le monde. Je vais peut-être nous surprendre. Ce n'est pas tout le monde, je me reprends. C'est pas parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu deux boulots, et quand je meurs, on dirait sans paix, que je vais me reposer. Non. Ce n'est pas la vérité. C'est pas parce que plusieurs personnes repèsent ce mot-là. Oh, reste en paix, que quand je meurs, je vais rester en paix. Non. C'est pas parce que ce n'est pas automatique. Encore, ce n'est pas tous ceux qui meurent où cette phrase n'est pas appliquée à tout le monde. C'est pas si vous lisez la Bible, il y a une histoire dans la Bible qui parle de Lazare et du riche. Il n'est pas là en fait parce qu'il était riche. Non. Ou Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Non. Qui a présenté ou qui a frayé le chemin ou qui a. C'est la manière dont ils ont vécu qui leur a permis de choisir ou qui les a dirigés là où ils sont allés à la fin. Lazare est allé au ciel et le riche est allé en enfer. Alors, un jour, bien-aimés, mes frères, mes soeurs, nous allons tous mourir et il y a deux chemins. Ce n'est pas bien d'écouter, mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas éviter. Et que nous devons, dans des moments comme ceci, Alice, au moins, y réfléchit les affaires. Et on ne pense pas à la vie. Le bon combat de la foi est saisi la vie éternelle. D'autres versions disent recherche la vie éternelle. C'est en recherchant la vie éternelle qu'on ira, qu'on vivra cette vie-là. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit encore que celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Alors si tu veux avoir une garantie pour ton salut, pour le salut ou pour la vie éternelle,
je nous encourage à choisir Jésus-Christ. Parce qu'il y a deux possibilités dans la vie qui sont inévitables. La première, c'est que, ou deux réalités. La première, c'est que nous allons tous mourir. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, nous allons tous mourir. La deuxième réalité qui est inévitable, c'est le jugement. Qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, après la mort, nous allons faire face à celui qui nous a envoyé sur cette terre, notre Créateur. Et nous devons nous rendre compte de la vie que nous avons vécue sur terre. Et la Bible dit, saisissons la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en son Fils Jésus-Christ. Peu importe le succès que nous avons sur cette terre, je n'ai pas contre le succès. Peu importe les richesses que nous avons, je n'ai pas contre les richesses. Mais si notre vie, si nos espoirs n'est pas centré sur Dieu, sur Jésus-Christ, tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Et un jour, nous allons nous retrouver devant l'éternité. Et ici, sur cette terre, nous sommes passagers. Et nous avons vu comment la vie est tellement fragile. Nous avons tout passé ici, la pandémie. Comment ces gens sont morts comme si de rien n'était. Aussi facilement. Il y a un monsieur que je connais très bien qui, en janvier, après le froid qu'il y a eu là, une semaine de janvier, il est tombé malade. Et en quelques jours, il a perdu la vie, il est mort. Et cela m'a fait beaucoup réfléchir. Et avant, s'il avait des projets, on faisait une réunion ensemble et il était prêt à bouffer, à faire quelque chose de son argent. Mais Dieu n'a pas permis ainsi. Et c'est une situation qui peut arriver à chacun d'entre nous. Et c'est le message que je voudrais nous apporter ce soir. Comme nous sommes ici pour rendre hommage ou encore pour célébrer la vie de Papa Dim, réfléchissons par rapport à nous. Parce que nous encore nous respirons. Nous encore nous avons l'opportunité de changer. Nous encore nous avons l'opportunité de prendre des bonnes décisions. Pour nous encore, il n'est pas trop tard. Pour nous encore, il peut y avoir un nouveau commencement. Ne sors pas d'ici sans prendre le temps et réfléchir par rapport à ta vie. Que les festivités que nous aurons après ou les joies ne t'emmènent pas à oublier que nous sommes tous éphémères et qu'un jour les gens viendront te dire au revoir. Mais le plus important, c'est que qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur quand tu seras en face de lui? Qu'est-ce que tu vas répondre de la vie qu'il t'a donnée, des talents qu'il t'a donnés? C'est cela que je voudrais que nous réfléchissions, bien-aimés, et que ces moments, nous puissions en profiter pour réfléchir à notre propre vie, à la vie de nos familles, de nos enfants, de savoir que nous tous nous passerons également par là. Mais il y a encore l'opportunité, ou encore Dieu donne l'opportunité de prendre la décision de le suivre. La Bible dit ceci, vous terminez, celui qui saisit, ou qui saisit la vie éternelle, et la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Donc c'est le petit message que je voulais vous apporter ce soir. Quand nous allons manger ou boire ou faire quoi que ce soit, réfléchissons. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais ce soir peut être la dernière soirée. Je ne le souhaite pas. Mais c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Mais je déclare que chacun va entrer à la maison au nom de Jésus. Mais vivons avec cette mentalité-là. Savoir que moi, si un jour peut le dernier, alors par conséquent, je dois vivre pour Dieu. Ok, Dieu vous bénisse. Et passez une bonne soirée. Amen. Merci. Nous avons retenu, en particulier retenu ce soir, que le lieu de deuil, c'est le meilleur loin de l'accueillement. Il fallait se recueillir là-bas pour pouvoir se mettre en question. Et sans plus tarder, nous allons continuer la suite de notre programme avec notre DJ qui va nous envoyer quelques louanges. On doit, je pense, selon ce programme.
assez. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons le Dieu de nos ancêtres. Tite Yovalova. Nous sommes de la voix Seigneur, nous l'avons dit. Tu m'as bien demandé à monter le messe la messe. Voilà, on doit vivre sur le cap sommet, on doit équiper sur. On va mener au Tanzé. On va mener au Bénin, Milima. Il se met pour ça de bien. Non, pas mais c'est pour avoir déjà guéri. Non, bon, on va pas là-bas. Lui, il y a des poules, bah, qui vont aller bien. Et ben, j'en t'apporte. Eh, nous voilà même pas sous, parce que nous ne sommes pas sous Nyambi. Tu sais, on est dans ma vie, on est dans ma carrière. Na wamene, il y a des boules dans mon gré. Nous voilà pas sous, parce que nous ne sommes pas sous. Eh, on doit bien matin matin ouais, non, on doit bien matin matin non. Wamene, les bisons qui a, tu sais, na mumbia, on voit la même chose du tout. On va te péter, guinia. Oui, c'est un homme qui a été au et oui, c'est là-bas. Il a été ici, il a été ici, Ambassou, Tikalewa. Amen. Amen. Merci encore. Et sans plus tarder, le buffet est ouvert. Nous allons commencer par ici, par Mouassawa qui va juste se diriger tout droit là derrière. Bye-bye.
pour supporter Madame Pio et en essuyer ses larmes. Alors je le serrais tout loin quand je venais de le dire. J'aurais souhaité que l'on ne pourra savoir. Je souhaiterais appeler quelqu'un pour finir le témoignage et surtout pour un chant tel qu'il est d'habitude, tel qu'il est dans notre tradition, que avant de prendre la parole, au moins, nous appelons Dieu, si ce n'est pas des prières, mais pas des cantiques. Donc, je souhaiterais appeler ici Madame Kourou, nous donner un cantique Sawa, que toute la salle voudrait bien chanter. Merci. Madame Kourou. Oui, président. Malam malami kan ina na na. Mbowa na mbowa jai taninka. Ni mbowa sawa o America jai taninka. Na atopa na mbowa. Malam biyo. La femme de Jacques. Ubina biso biwa ubi biso. Ziti to botu mo. Ndu tunyete ko mendo. Kana nyango penye no wendo biso. Kambamo. Ugete bawele. Ukwana manambanika, na hiko doi kwa kwamba. Zeno ta mwene mwa mwamu abuwe, na kwa nakwela sangwa, mnyangwa mwanamu jale, biyo shapisi, na sinana tunamu. Dola timse luba maso mana, papa abomi mbu mwomina, ite tenge na ali. Jisi mabwani kamnegende, kunda ipo ite mwotuta mame. Jiso jita wan labo lomba papa, labo lomba mama, kando menanika. Doni ke ti penya, mais la vie n'a pas été. Ni ta papa mal, non, ou à vous m'a mis vite. On est à ta qui s'en de la soumène, ni ta arme, non, arme, n'a pas s'en. Vous dites ma ou bien vous, c'est, n'a pas s'en. N'y a pas de ma pote, maman, n'y a pas de moi. J'ai bon goût. C'est bon, maman. Merci président. Merci madame Mokoué. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer au président, au représentant de Consamba, en l'occurrence M. Fleury Lambert. Fleury Lambert qui est au bar. Est-il dans la salle, le vice-président? Qui est là? Bien que je sois ici, si le président est exigé, paraît-il, s'il peut me rejoindre, ce serait une bonne chose. Le président est exigé. Monsieur Fleury Lambert, quand même. Oui, c'est ça. On peut parler. En fait, j'utilise le jeu, mais je parle au nom de nous, les enfants natifs de Consamba. C'est en ma qualité de vice-président avec mon président à côté là que nous prenons la parole ce soir. Vous parlez comme le précédent orateur. Nous, on l'appelle honnête, on ne met pas trop de madame chez nous, on a une particularité, nous sommes tous des enfants d'une même famille, il n'y a pas de monsieur, madame, c'est honnête. En l'occurrence, d'arrêt-mère. Donc, nous,
avons perdu notre papa. Je ne vais pas faire Boa Sawa. Nous, on vous a tapé. Nous, voilà. Ça, c'est la table des enfants de Consamba. Vous pouvez témoigner pour Hong Kong. En fait, ça veut tout simplement dire les natifs de Consamba. Nous sommes tous des enfants natifs. Ceux qui ont vécu aussi longtemps, pas seulement les natifs. Je suis toujours en train de faire cet appel parce que j'en connais beaucoup qui sont passés par là, qui sont même nés, qui traînent les pas. Rejoignez-nous le plus rapidement possible. Je ne vais pas continuer à faire la publicité de notre maison. Nous sommes venus essuyer les larmes de notre sœur. Et je crois qu'après cette soirée, il y a des membres de Boa Sawa qui vont l'approcher pour savoir comment ça se passe chez nous. Je n'ai plus trop à dire quoi que ce soit. Je crois que le tout est dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci, président Henri Lambert. Merci, Marie. À mon petit frère Pablo qui est dans la salle, je ne saurais me présenter face à lui. Je voulais dire le maître. S'il te plaît, tu as attendu ici. Merci encore une fois de plus de venir assister à notre moment, la maman Saint-Gier, maman Odette Bio. Et sans plus tarder, nous allons ici appeler le président de Jeunesse Sawa. Le président de Jeunesse Sawa à la personne de Dikong et Calvin, raison pour laquelle il a passé le micro. Notre président. Merci beaucoup mon frère Jimmy. Maman Bio, mère Bluetooth, mère numérique, mère 5G, mère Everything, mère Golden Mop. Toi seul, tu as toutes ces qualités, tu as tous ces noms. Maman Bio, c'est l'une de nos mamans. S'il vous plaît, on s'en va, on vous a entendu, c'est ce qu'il y a là. Vous avez dit par ailleurs que vous avez gagné Boa Sawa, mais vous n'avez pas gagné Jeunesse Sawa, ainsi que vous le sachiez. Ok, Maman Bio, c'est l'une de nos mamans. Nous avons autant de mères comme Maman Bio, mais pas comme Maman Bio aussi, je vais le dire. Maman Bio nous a toujours assisté, elle a toujours assisté Jeunesse Sawa. C'est l'une des mamans qui a toujours été parmi nous et face à plein d'événements, elle a toujours eu à être là. Qu'il neige, qu'il pleuve, Maman Bio est toujours avec nous. Elle nous encourage, elle nous booste. Elle nous dit, je ne sais pas comment le dire, elle est toujours avec nous. Donc Maman Bio, je ne saurais comment te remercier au nom de la jeunesse Sawa. Maman Bio, papa est parti, notre grand-père est parti. Mais il n'est pas mort, Maman Bio. Il allait se reposer. Il allait se reposer et il allait veiller sur la petite famille, la modeste famille qui est restée derrière. Maman, ne sois pas, ne te sens pas abattu. Tu sais, chaque fois tu m'appelles, que mon fils, j'ai besoin de vous. Il n'y a que vous et nous n'avons que toi. Je ne dis pas cela
vous dit que d'autres mamans qui sont dans la salle ne sont pas les nôtres, et vous êtes aussi les nôtres. Nous avons maman Bassa aussi qui est là, et autant de mamans qui sont là, nous vous avons pas oublié, mais aujourd'hui c'est maman Bio qui a l'honneur. Oui, maman Bio, tu restes la mère libérée, la mère qui travaille, la mère qui nous assiste, la mère des mères, la golden mom, comme je le dis souvent, mais oh. 5G, mais rien n'est perdu. Le papa est laissé reposer et il veille sur la famille. Qu'il soit, qu'il repose en paix. Mais maman, continue à être la femme dynamique que tu es. Parce que en toi seul, tu as deux qualités. Tu as la qualité d'une maman, d'une femme, et tu as la qualité d'un homme. Et je profite pour cela pour dire, pour encourager toutes ces mamans qui font ce double rôle ici aux États-Unis, ce n'est pas facile. D'être en même temps père et mère. Maman Bio, tu le fais très bien. Et pour cela, je te dis un grand chapeau. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Que tu sois vraiment, que Dieu te comble toujours, qui te protège, toi et ta famille. Merci encore, papa s'est reposé. Son Bio va parler, il va dire quelque chose au nom du défunt grand-père. Rosa, tu as la parole, à toi le micro. La salle, apporter la boisson. Every little help is appreciated. And we want to say thank you to everybody that came out tonight to show love. Notre grand-père n'est plus là, mais son âme se repose en paix. Et merci à tous. Ok, nous allons terminer par Maman Bio qui va faire le témoignage de son papa. Maman Bio, toi. Allô? Bonsoir. Robert. La famille, j'en ai tellement beaucoup. Devant moi, c'est la grande famille Sawa. À ma droite, mes copines sont parties. À ma droite, mes enfants, la jeunesse Sawa. Et à ma gauche, le continent Ponsan. Le continent, si tu veux le landing card, tu le vois. On va étudier ton dossier. C'est ce qu'on appelle la reine. Ok, je voudrais parler un peu de mon père. Il est aussi quelqu'un qui est passé par un pont, parce que c'est par là où il a commencé sa vie. Comme disait le président Mbappé, ça a été un honneur pour moi parce que je suis allée au Cameroun. J'ai causé avec lui. Je lui ai donné ce que j'avais à lui donner comme cadeau de fin d'année. Il a même demandé que j'organise, si je peux dire, un conseil de famille parce que, pour la petite histoire, je suis l'aînée de la famille Pia. Parce que quand je naissais, j'aime dire ça. Il m'a raconté qu'il avait eu d'autres enfants, mais ils sont morts. Donc je suis restée l'aînée de cette famille. Pour ceux qui disent souvent que je suis autoritaire, je crois que vous comprenez pourquoi je suis autoritaire. Parce que je suis l'aînée de 11 enfants. Donc, ma mère n'a pas fait le jumeau. One. Et qu'à 2 ans, un jour. Donc c'est comme ça. Donc comme je disais, j'ai parlé avec mon père et je crois 2 semaines ou 3 semaines plus tard, il a eu un malaise et on l'a amené à l'hôpital. Et pour la petite histoire, mon père est TG. Qui sait ce que veut dire TG? Ça veut dire?
Ok. Donc il est mort avec arme à la main. Ça veut dire que il a eu un malaise. On l'a amené à l'hôpital. Vous pouvez imaginer la suite. Il fallait une opération et il a refusé ce que vous connaissez, la transfusion sanguine. Et c'est comme ça qu'il est passé comme un petit jeune. Ouais. Comme madame Moukoula dit tout à l'heure, c'est cet espace, c'est ce vide. Mon dernier petit frère a 35 ans, mais je sens là où je dois prendre le relais de cette famille maintenant. On n'a pas encore enterré, je vais repartir au Cameroun d'ici 2 ou 3 semaines pour l'enterrer. Mon père a été un homme très rigoureux, comme vous connaissez les témoins de Jéhovah. Mais il a réussi à nous élever. Il est fils unique. Comme vous voyez là, il était déjà au 8e. Vous voyez la photo qui pagine là. Je porte son nom. Si vous voyez sur le programme, j'avais écrit la famille Onkam Bembana. Parce que ma grand-mère paternelle fut Bana. Onkam. Et je porte son nom. Donc si je cherche l'argent beaucoup, vous découvrez aujourd'hui pourquoi je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Parce que c'est sanguinaire. Et donc, mon père a fait son arrière. Il a évolué à Douala. Il a travaillé à la Texaco. Et il a fini à la Sotuc. Si quelqu'un sur Facebook avec moi, j'ai eu quelqu'un qui a fait un témoignage aujourd'hui, dit, je connaissais papa. Quand j'allais à l'école, mes 35 francs qu'on me donnait, quand je le voyais, ça veut dire que non, mon père chargé est rassuré, je ne vais pas payer le bus. Son matricule 18-13. Il dit, ton père s'appelait, il avait le matricule 18-13. Donc, je peux résumer que c'est là où sa vie s'est arrêtée en 90. Il a pris sa retraite. Il vivait sa petite vie comme tout le monde, de temps en temps malade. Mais je dis, comme je disais, il est mort à madame parce qu'il a refusé la transfusion sanguine et la mort a eu raison sur lui. Une fois de plus, je voudrais dire merci à tout ce monde. C'est aujourd'hui que j'ai compris que qu'on m'aime vraiment, que j'ai les gens qui m'aiment. Parce que réunir ce monde pour un vendredi, ce n'est pas donné. Faire sortir ce monde pour un vendredi, même s'ils sont sains, ce n'est pas donné parce que le temps coûte de l'or dans ce pays. Avec un foie qui ne dit pas son nom. Donc, une fois de plus, merci. Que chacun vraiment rentre comme il est venu. Et que le Seigneur nous protège. Amen. Et moi-même qui voyage, que je parte et que je revienne sans heure. Et j'ai reçu les bénédictions de tout le monde. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Merci, Mme Bio, pour ce chaleureux témoignage. Merci, nous avons retenu ce que papa fut. Notre grand-père, nous allons continuer notre programme. Jeunesse Sawa. Mais vous avez bu les biens ou quoi? Mais bon. Jeunesse Sawa. Ok. Jeunesse Sawa prendre le relais là maintenant. Ok. Le bal, quand il est assis, sans que nous ne lui passions le micro. Papa, il est mort. Fais-moi sourire. Ma soeur. Ah, ok, t'as bon. Ah, bien, ma bébé, là. Nous sommes. Le plat, mon Dieu, il est bon. Awesome.
Anna, Patrick, nous manquons Massou. Ah!
Oh, yes,
Thank you.
ça.
Et tu es le point, tu es la soumise.
Let's go, guys!